Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Vous le saviez, N'Djamena a abrité la conférence dédiée à l'éducation de la fille et de la formation de femmes dans l'espace francophone. L'invité du journal reçoit ce soir le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assédic Choroma. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, il sera question de parler sur les retombées de cette conférence, mais bien avant, nous allons découvrir ensemble l'actualité de ce soir. Sous le haut patronage de la première dame Indédé Bitno, la fondation Tchad Helping Hands a célébré ce matin au palais du 15 janvier la troisième édition de la journée internationale de veuves placée sous le thème « La veuve face au défi de l'autonomisation » était présent à cette cérémonie commémorative d'éminentes personnalités. Varelet. Les veuves sont à l'honneur ce 23 juin 2019 au palais du 15 janvier. Elles sont conviées à marquer d'un cachet particulier cette journée qui leur a été dédiée. C'est pour la troisième année consécutive que la fondation Tchad Helping Hands commémore la journée internationale des veuves. Placée sous le thème « La veuve face au défi de l'autonomisation », l'édition 2019 est placée sous les auspices de la première dame Indédé Bitno. Un thème en adéquation avec la politique du gouvernement axée sur la promotion de la femme. Ma voix est donc la voix de toutes ces femmes qui pleurent en silence sous le poids des injustices de notre société. Mon message est un plaidoyer. Je plaide pour les sans-voix parce que je crois que l'autonomisation est l'une des mesures les plus importantes que puisse prendre notre gouvernement. En permettant à ces femmes d'acquérir des connaissances, on permet à leurs enfants de bénéficier d'une meilleure éducation. En donnant du travail aux femmes, on contribue directement à la croissance de l'économie. Enfin, en assurant une promotion des droits et de l'égalité, notre nation gagnera en justice et en équité au profit du développement d'une société unie et solidaire. Pour la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Dr Jalal Arjun Khalil, au Tchad, beaucoup d'efforts ont été déployés par le gouvernement qui accorde une importance aux veuves et que des défis restent à relever. Nous sommes toutes conscientes que notre pays, jusqu'à là, très lié au poids de la tradition et des présenteurs socio-culturels néfastes, résiste encore. La première dame du Tchad et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, qui ont inscrit dans leur agenda respectif comme priorité des priorités la lutte contre les abus, la problématique globale des violences faites sur le genre. La journée internationale des veuves a une portée majeure, affirme la première dame Indédé Bitno, qui apprécie hautement l'initiative de la fondation Tchad Helping Hands. C'est l'occasion pour la première dame de réitérer son engagement à accompagner les femmes à s'insérer dans la vie active. Et ceci grâce à sa fondation, une organisation humanitaire qui assiste les couches vulnérables de la société. Cette journée a permis à la fondation Tchad Helping Hands de décerner des attestations de reconnaissance aux présidentes de 15 associations de femmes qui œuvrent en faveur de l'amélioration des conditions de vie des veuves. La première dame Indédé Bitno, qui a présidé la troisième édition de la journée internationale de veuves, réaffirme son soutien à améliorer la situation de veuves au Tchad, quel que soit son rang social. Suivez la première dame. Beaucoup de veuves vivent dans la pauvreté et la précarité matérielle, mais elles ne sacrifient nullement l'éducation et l'avenir de leurs enfants. C'est pourquoi il est impérieux que nous nous préoccupions de la situation de veuves. Il ne s'agit pas simplement de l'obligation de pouvoir public, qui d'ailleurs assume leurs responsabilités, comme le prouve l'adoption des textes et instruments juridiques en lien avec la protection des veuves. La situation de veuves concerne toute la société dans sa dimension holistique. Les femmes vivent dans nos communautés et le mépris, les frustrations, la violence et l'injustice que vivent beaucoup de veuves sont le fait propre de nos communautés. Mes chères mères et sœurs veuves, je voudrais m'adresser directement à vous en ce jour qui vous est dédié. Comme je vous l'ai dit lors de l'édition 2018 de la Journée internationale de la veuve, on ne naît pas veuve, on le devient. Aujourd'hui comme hier et demain, c'est toujours l'implacable destin
qui dicte sa loi. Soyez fiers et dignes. Continuez à vous battre comme vous le faites si bien, pour nourrir et éduquer vos orphelins. Rien au monde ne doit émousser cette ardeur qui vous habite au quotidien. Vous êtes des muses qui doivent, à travers des comportements exemplaires, inspirer vos filles. Je voudrais vous rassurer, pour ma part, de mon investissement personnel dans toutes les luttes qui visent à garantir le droit de veuve et assurer leur autonomisation. Pour preuve de mon engagement, plus de 500 femmes veuves venant de 40 associations avaient bénéficié d'une formation en activité génératrice de revenus en N'Djamena. Elles ont été outillées et ont bénéficié des financements afin de démarrer leur activité. Bien évidemment, nous mènerons ensemble cette noble lutte, car tout est à notre portée si nous conjuguons effectivement nos efforts et c'est dans l'harmonie et la sérénité. Le complexe scolaire Académie Royale a organisé hier la journée d'excellence pour récompenser les meilleurs élèves qui se sont illustrés par le travail bien fait au cours de l'année scolaire 2018-2019. C'est le directeur de l'alphabétisation du ministère de l'Éducation qui a pris part à la cérémonie. Dame Gjevelini. L'Académie Royale célèbre l'excellence. Ce complexe scolaire qui existe depuis 4 années met un point d'honneur à l'année scolaire 2018-2019 par la remise des prix d'excellence aux 3 meilleurs élèves de chaque classe. Parents d'élèves et promoteurs de cet établissement répondent présents à cette cérémonie qui s'inscrit dans la tradition de l'Académie Royale visant à stimuler les apprenants à faire de la recherche de l'excellence leur lot quotidien. À l'Académie Royale, la promotion du genre est en vogue. Parmi ces heureux lauréats, il y a 26 filles et 15 garçons. Au moment où la question de la scolarisation des filles est au cœur des politiques gouvernementales, en matière d'éducation, on ne peut que se réjouir d'un tel résultat. Oui, il faut le dire, les filles sont capables, elles ont du mérite, pour peu qu'on leur en donne l'occasion. Les actions que mène l'Académie Royale et qui contribuent à la politique nationale de l'éducation sont vivement saluées par les responsables du département de l'éducation. Je salue le travail appréciable de la direction de l'Académie Royale et la félicite pour l'organisation de cette cérémonie et pour son engagement à promouvoir l'excellence. Il est en effet urgent que ça soit davantage cultivé et consolidé chez nos enfants les valeurs fortes du mérite et de l'excellence, de l'effort, de la culture et du travail bien fait, qui constituent des bases essentielles de la réussite et de la promotion des futures générations. Mamad Ahmad Hamid, élève en classe de première, major du dit complexe, se réjouit du résultat de son travail. Pour cette cérémonie, je suis fier d'être parmi les meilleurs et d'avoir accès à ces prix. Et donc, concernant l'établissement, je remercie vraiment à l'administration, les comités d'organisation et à les membres administratifs, en plus des parents, d'avoir assisté à cette cérémonie. À l'Académie Royale, un accent particulier est mis sur l'enseignement scientifique conformément aux nouvelles donnes du pays. L'ouverture des classes de terminale C et D pour le compte de l'année académique 2019-2020 s'inscrit dans cette logique. Et nous revenons à notre invité, Monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence dédiée à l'éducation de la fille et formation de femmes? La conférence, comme vous le savez, c'est une conférence organisée par l'Organisation internationale de la francophonie en collaboration avec la République du Tchad. Cette conférence a pour but d'évaluer ce qui a été fait dans l'espace francophone en matière de la scolarisation des filles et de l'autonomisation et la formation des femmes. L'organisation a choisi le Tchad comme pays d'accueil pour organisateur pour cette conférence-là, puisque la francophonie s'est engagée en faveur de la réduction des inégalités et de la disparité de femmes, la disparité entre les femmes et les hommes. Donc cette conférence a pour but
d'évaluer ce qui a été fait dans l'espace francophone, voir quels sont les obstacles et quels sont le programme à réaliser en faveur de la scolarisation des filles. Donc, c'est le but de cette conférence. Donc, si on comprend pas, en matière de l'éducation de filles, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour le maintien de la fille à l'école. À cette conférence de la francophonie, est-ce c'est une récompense pour les efforts fournis par le Tchad? Je ne dis pas que c'est une récompense, mais c'est une reconnaissance à ce que le Tchad a fait jusqu'à là en matière de la scolarisation des filles, la formation des femmes, l'autonomisation de la femme de manière générale. Comme vous le savez, le chef de l'État a pris des actes qui favorisaient, qui donnent de l'importance à la femme, qui la protège. D'abord, l'interdiction de mariage précoce, également la parité entre les femmes et les hommes, et d'autres textes également qui contribuent à ce que la femme tchadienne ait sa place. C'est une reconnaissance et un encouragement. Le chef de l'État s'est engagé à ce que la petite fille aille à l'école, comme les autres garçons, arrivent à achever les cycles primaire et secondaire, universitaire également. Monsieur le ministre, la secrétaire générale de l'OIF avait souligné dans son intervention que malgré les efforts fournis par le Tchad, 80% de nos filles sont non scolarisées. Quelle stratégie adopterez-vous pour atteindre l'objectif visé? Au cours de cette conférence, le Tchad avait présenté sa vision par rapport à la scolarisation des filles. D'abord, nous avons présenté ce qu'on a fait jusqu'à là en matière de la scolarisation des filles. Comme vous le savez, en 1990, c'était une cellule qui existe au niveau de l'éducation nationale. Cette cellule s'est transformée en division, ensuite à une direction à part entière. Cette direction fait des travaux remarquables en matière de l'éducation des filles. Il y a de campagnes de sensibilisation, il y a des formations des femmes. Et donc, on s'est retrouvé actuellement à 77,8 de fréquentation de filles, de la scolarisation des filles. Mmh. Et également, le taux d'achèvement de cycles primaire et secondaire, il y a quand même une évolution. À un moment, on s'est retrouvé à 34, quelque chose. Maintenant, on est à plus de 45%. Donc, il y a une évolution, elle est certainement lente, mais il y a une évolution dans ce sens-là. Et le Tchad continue à faire des efforts pour que la fille ait sa place. Comme je viens de le dire, il y a un engagement fort de la part du chef de l'État, également de la première dame à travers sa fondation. Le ministère de l'Éducation nationale a des programmes qui font que la fille et la possibilité de fréquenter les écoles. Nous pensons qu'il faut créer des écoles des filles dans les zones où il y a moins de fréquentation. Cette idée a été exposée devant le participant. Comme vous le savez, il y a 4000 participants qui venant de 31 pays. Tout ce monde, chacun a présenté ce qu'il a réalisé. Le Tchad également a présenté ses réalisations, mais également ses futurs projets. Ces projets ont eu beaucoup d'appréciation, surtout de prendre en compte les préoccupations de la population, de parents d'élèves, les participer dans la chose, en tout cas dans la gestion de l'école, ça amène et le parent à avoir confiance à l'école. Puisqu'on parle de notre pays en tant que membre de la francophonie, quel rang occupe le Tchad concernant l'éducation des filles? Il n'y a pas une classification aujourd'hui au niveau de la francophonie, mais il faut dire que le Sahel en général souffre d'un manque d'engouement envers l'école de manière générale, mais également la scolarisation des filles. Les causes principales, selon notre vision à nous au Tchad, on pense que notre population est à majorité rurale. Donc, une majorité rurale, toujours des réticences par rapport à l'école, parce que la distance pose problème. L'école est un peu loin, des fois il y a des pesanteurs socio-culturelles qui freinent également la scolarisation des filles.
Donc notre approche à nous, c'est de prendre en compte les préoccupations de la population en ce qui concerne la distance, en ce qui concerne la mixité, ça dans certaines régions. Ça permet à la population d'avoir confiance et également la question de l'alphabétisation. Nous avons lié, nous avons eu à présenter cette idée-là à la conférence pour dire que la scolarisation des filles est liée à l'alphabétisation des parents. Il faut alphabétiser les parents, ils auront quand même un regard un peu différent par rapport à ce qu'ils ont quand ils sont alphabétisés. Monsieur le ministre, le défi est grand. Que la fille le défi est grand, monsieur le ministre. Le Tchad peut-il compter sur l'appui de ses partenaires pour relever ce défi-là? Déjà, le Tchad a une stratégie intérimaire appuyée par le parent, par le partenariat mondial pour l'éducation. Ce partenariat prend en compte la création des écoles, les constructions, mais également prend en compte la question de l'alphabétisation. Donc le Tchad, certainement, peut, à travers l'appui des partenaires, peut renverser la tendance. Nous faisons des efforts à notre niveau, le Tchad, malgré les difficultés financières, le Tchad fait des efforts, mais à travers le projet que nous présentons à nos partenaires, nous pouvons dire qu'on peut, de manière à notre rythme, arriver quand même à un niveau acceptable. Le but, c'est d'amener la fille à s'inscrire à l'école à 100%, la maintenir et lui donner dans le futur un métier qui lui permet d'être une personne à part entière et digne. Et qui peut faire quelque chose, qui peut apporter quelque chose pour son pays. Qu'est-ce qu'on a bénéficié de cette conférence, en deux, trois mots? La conférence a permis au Tchad d'être présent, présenter sa vision, comme je viens de le dire. Mm-hmm. Aujourd'hui, nos préoccupations par rapport à la scolarisation des filles sont connues de nos partenaires, des autres pays qui sont là, les experts en matière d'éducation nationale, 40 participants, parmi lesquels des ministres, de représentants des organisations internationales et des autres pays qui sont venus. Ils ont vu que le Tchad a fait quand même d'efforts. Il y a une volonté politique au niveau, très haut niveau. Une évolution. Il y a des programmes. Donc la FIP au Tchad, malgré les difficultés, peut quand même dans le futur arriver à quand même fréquenter l'école. La FIP peut arriver à fréquenter l'école. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous poursuivons ce journal. L'Union européenne et la coopération allemande GIZ appuient les communes dans la perspective de leur autonomisation. De concert avec le ministère de l'administration du territoire, elles viennent de renforcer les capacités de maires de 11 communes du Tchad. Le module a porté sur l'élaboration et la mise en œuvre du budget participatif au niveau communal. Adefamat Berrahma. Le budget participatif au niveau communal est un mécanisme qui implique les citoyens. Avec cette formation, les maires des 11 communes, venus des quatre coins cardinaux du pays, les comptables et receveurs seront à même d'élaborer et de mettre en œuvre le budget participatif. Au terme des travaux, les participants recommandent au ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale de rendre véritablement autonomes les communes, le renforcement des capacités, l'allocation et le versement des subventions. À en croire le directeur du portefeuille de la coopération GIZ, Rico Langen, la décentralisation est un processus à consolider pour permettre aux communes de répondre avec efficacité aux attentes des populations. Officiant l'événement, le directeur de l'économie et des finances locales a appelé les maires et leurs collaborateurs à adopter une stratégie participative dans la gestion de leur commune. Je vous exhorte à votre retour de développer une approche de gestion participative dans vos collectivités autonomes à l'exemple du processus d'élaboration du budget participatif. S'agissant des recommandations, le directeur rassure les transmettre à leur illustre destinataire. Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, a fait une descente hier dans les communes du 3e, 5e et 6e arrondissement pour constater les travaux de curage des drainages d'eau qui s'effectueront dans ces trois communes. Le point avec Haram Abdelkader Adam.
Rendre l'environnement sain nécessite des efforts. Ainsi, le curage des caniveaux, drainage d'eau, s'inscrit dans le registre de la mairie. Pour se rendre à l'évidence, le maire de la ville d'N'Djamena, Salih Abdelaziz Daman, accompagné de son staff technique, a fait une descente sur le terrain. Ces travaux de curage des drainages d'eau concernent trois communes de la capitale pour 3e, 5e et 6e arrondissement. C'est de curer les caniveaux et je crois que cette année, comme vous l'avez constaté, on a commencé très tôt et nous avançons vraiment à grands pas. La collaboration des habitants de N'Djamena sont indispensables. À nos collègues qui sont les maîtres, qui doivent nous aider et qui doivent sensibiliser encore eux-mêmes, ils doivent sensibiliser les comités d'assainissement qui sont dans leurs communes, de ne pas quand même déposer les ordures dans les canaux. Selon les premiers magistrats de la ville de N'Djamena, les travaux avancent bien. Ainsi affirme-t-il que 90% ont été réalisés. Et puis c'est communiqué pour la suite du journal et porté à la connaissance de mesdames et messieurs les députés que la séance plénière du lundi 24 juin relative à l'examen du projet de loi portant ratification de l'ordonnance 01 du 11 février 2019 portant création des unités administratives et collectivités autonomes est reportée à une date ultérieure. Le président de l'Assemblée nationale compte sur la compréhension de mesdames et messieurs les députés. Et puis dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, la coordination générale de l'opposition démocratique accepte de se plier à l'interdiction de la manifestation prévue le lundi 24 juin. Pour elle, c'était un coup de plus à la démocratie. La signature de ces communiqués... Le troisième rapporteur, Dr Nasra Dimas Nga. Dans un autre communiqué parvenu à notre rédaction, le président du CAP sur Joseph Dimbangar Datnadi informe le cadre national de dialogue politique que certains leaders de partis politiques cherchent à empêcher les autres partis politiques de contribuer à l'expression des scrutins. Sa formation politique est représentée au sein du CNDP et ne fait pas partie de ses leaders de partis politiques. Il n'appartient pas aussi aux chefs de partis regroupés de désigner les représentants du CAP sur comme membres de deux membres de la CENI dans les provinces. Par conséquent, il est rappelé aux représentants du CAP sur d'être vigilants et que la désignation relève du parti. Le président Joseph Dimbangar Datnadi attire l'attention de chefs de parti regroupés que toute tentative d'exclusion du CAP sur du processus des élections législatives et communales sera combattue. À la signature, Joseph Dimbangar Datnadi, président national du dit parti. À Gorée, la Fondation Grand Cœur a mis un terme à la caravane ophtalmologique en faveur de la population. C'est le préfet du département de la Niapende qui a présidé la cérémonie. Youssouf Abdourman Alikat. Durant 7 jours, l'équipe médicale de la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur s'est déployée dans les villages et les camps des réfugiés et des retournés du département de la Niapende pour traiter les patients qui souffrent des pathologies oculaires. Selon le bilan fourni par le chef de la mission de la caravane ophtalmologique, Hamid Jimouna Juma, 2209 malades ont été consultés, 226 opérés, 557 lunettes ont été remises aux patients ainsi que 1150 colliers. Pour le préfet du département de la Niapende, à travers cette caravane, la population du Logone oriental gardera une image positive de la première dame Inda Déby Itouno. Je voudrais exprimer au nom de la population mes remerciements les plus sincères et ma profonde reconnaissance à la première dame du Tchad et aussi à l'équipe de la Fondation Grand Cœur pour cette opération qui a permis à plusieurs malades d'avoir la vie. La population de la Niapende a toujours besoin de la Fondation Grand Cœur. Les témoignages des malades traités par la Fondation Grand Cœur justifient que l'acte a été hautement apprécié par la population bénéficiaire. À Douba, la formation de femmes en technique des activités génératrices de revenus couplées à la remise des matériels au groupement féminin par la Fondation Grand Cœur a pris fin. Une cérémonie de clôture qui a vu la présence du secrétaire général de la province du Logone oriental. Retrouvons une fois de plus Youssouf Abdourman Alikat.
Cette formation sur la gestion des activités génératrices de revenus a été sanctionnée par la répartition des matériels au groupement féminin que comptent les 6 départements du Logone oriental. La bibliothèque du centre de lecture et d'animation culturelle CLAC a été équipée des ordinateurs, des livres, des panneaux solaires, les matériels de sonorisation et d'une bibliothèque numérique. Pour l'animateur principal du CLAC, ce geste charitable de la première dame vient à point nommé. La Fondation Grand Cœur a doté un nouveau groupement des femmes handicapées et des filles mères, un centre de couture équipé de 40 machines à coudre. Le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Hamid Jumna Juma, exhorte les bénéficiaires que ces matériels donnés par la première dame pour leur autonomisation doivent servir une utilité publique. Très content du geste, les bénéficiaires expriment ici leur reconnaissance. Madame la première dame, Inda Debi Hypno, qui nous a aidés dans notre groupement. Dans notre groupement, on a seulement que 3 machines. Et on est au nombre de 32. Mais aujourd'hui, Dieu a ouvert la porte à ce qu'il nous bénit avec beaucoup de machines. Nous disons merci encore de plus. Nous prions ce que Dieu lui accorde une longue vie. Pour le secrétaire général de la province du Logone oriental, en donnant ses matériels aux femmes et aux jeunes, la première dame n'a pas oublié les couches les plus importantes de sa province. La première dame, Inda Debi, à travers la Fondation Grand Cœur, est revenue une fois de plus pour remettre à votre disposition des matériels au nom de vos groupements respectifs. Non seulement elle vous apprend à pêcher, mais elle vous donne également les moyens pour faire la pêche. Avec l'acquisition de ces matériels, les groupements et associations des femmes du Logone oriental vont booster leur rendement et accroître leur autonomie. Le parti RNDT Le Réveil a installé hier le bureau communal de femmes pour la ville de N'Djamena. C'était au cours d'une assemblée générale. Idriss Moumar Idriss. L'Assemblée générale qu'a organisée les femmes militantes du parti Rassemblement national des démocrates tchadiens RNDT Le Réveil a abouti à l'installation d'un bureau communal. Ce bureau, composé de 10 membres représentants de 10 communes de N'Djamena, est dirigé par Gondi Florentine. Cette équipe dirigeante a la lourde mission de faire la propagande du parti RNDT Le Réveil pour faire de N'Djamena une ville de ses militants. Chers soeurs, les plus hautes autorités en nous faisant remarquer sur le terrain. Osons quand l'environnement politique tchadien nous est favorable et surtout que le grand camarade président national Pagni Padagé Aver accorde aux femmes une place de choix. Le secrétaire exécutif de ce parti, Bourdani, a rappelé aux militants que la victoire de ce parti n'est possible que si ces militants se donnent corps et âme. Pour le premier vice-président de ce parti rassembleur, l'heure n'est plus au discours. Restons ce courant fort qui doit pousser la République vers le haut. Ce pari, je pense que vous allez le tenir pour que dans les jours à venir, nous puissions appeler Madame X, camarade députée. Camarades, maire. Le parti RNDT Le Réveil, à travers ce bureau communal nouvellement installé, s'est dit prêt à affronter toutes les échéances futures. Dans la province de Sila, des communautés sœurs en conflit ont décidé d'enterrer la hache de guerre. La cérémonie de réconciliation a vu la présence du président du Haut Conseil des collectivités autonomes et chefferies traditionnelles, Tamita Djitingar. Après 3 jours de rencontres et d'échanges, la mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles est arrivée à l'étape ultime, celle de réconcilier les deux parties pour permettre aux uns et aux autres d'évacuer normalement à leurs occupations. La signature de cet accord s'est intervenue après les événements douloureux qui se sont déroulés du 14 au 20 mai dernier dans les provinces du Wadaï et Sila et qui ont occasionné des pertes humaines et matérielles. Les deux communautés se sont engagées devant les autorités à cesser les hostilités et toute forme de provocation qui pourrait mettre en mal la bonne cohabitation, de promouvoir et d'œuvrer ensemble en faveur de la paix et la cohésion sociale, de prévenir la survenue de conflits grâce à une gestion concertée et de mener conjointement des missions de sensibilisation auprès de leurs communautés respectives.
Les deux communautés souhaitent la mise en place d'un comité de suivi du présent accord afin de résoudre tous les points en suspens. Et remercie le plus haute autorité du pays, alerte le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui n'a ménagé aucun effort pour arrêter le bain de sang. Le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, Tamita Djudingar, a félicité les deux communautés pour avoir accepté de signer cet accord de réconciliation. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au jour J, au jour où toutes les communautés ici présentes ont accepté de mettre noir sur blanc qu'ils sont enfin réconciliés. Et nous ne pouvons rien dire d'autre que de remercier toutes les puissances qui ont permis que cela puisse être d'actualité. Le député Mohamed Saleh Ahmad Kayar du Wadaï et le député Zakaria Mohamed Saleh du Sila se sont réjouis de cet accord de paix. Le secrétaire général du département d'Abdi, Mohamed Saïd Abdelrahman Abba, a demandé aux deux communautés de respecter cet accord. Pour lui, cet accord permet la reprise normale des activités agricoles et commerciales. La signature des procès-verbaux et une prière pour la paix ont mis terme à la cérémonie. Un reportage signé Djito Mahmat Barka. Dans la province du Maïkoubé-Est, le gouverneur a présidé à Bongo une cérémonie de réconciliation entre deux communautés en conflit issues du canton Massatelmé. Le point avec Abdoul Kéoul. Après 6 mois de rupture et de vives tensions entre les frères Massa du canton Télémé dans la province du Maïkoubé-Est, ces derniers décident de fumer le calumet de la paix. Cette réconciliation est à mettre à l'actif des pouvoirs publics de la province du Maïkoubé-Est au premier rang, le gouverneur Amata Mamat. La paix n'a pas de prix. Dieu merci, aujourd'hui nous avons enterré la hache de guerre ici. Les gens se sont conciliés et nous avons entériné par un procès verbal de conciliation. Désormais, personnellement, je suis l'affaire de Télémé. Le problème entre vous c'est définitivement réglé et enterré ici. Les différents intervenants des parties en conflit qui se sont succédés promettent dorénavant de concilier davantage les acquis de la paix et la cohabitation pacifique. Cette volonté du vivre ensemble s'est matérialisée par la signature des procès-verbaux sous les regards bienveillants du gouverneur Amata Mamat. Une mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et chefferies traditionnelles conduite par Mama Salih Moussa s'est rendue dans la province de Adjer Lamis. Celle-ci a rencontré les autorités administratives et chefs traditionnels pour véhiculer le message sur la paix, la cohabitation pacifique. Amat Ngarasta. Après la province du Chari-Bagrimi, la mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles a rencontré les autorités administratives traditionnelles pour expliquer le but de sa mission. L'objectif est de sensibiliser sur la paix, la cohabitation pacifique et le respect de la hiérarchie. Le chef de mission invite les leaders traditionnels à s'investir davantage pour vulgariser le message transmis par la délégation. Les chefs traditionnels et coutumiers du Tchad renforcés dans leur rôle par la 4e République. Ce doivent être autres les garants des us et coutumes, des acteurs de développement et des facteurs de la stabilité. Dans le même sillage, le gouverneur de la province de Hadjar Lamis exhorte ses collaborateurs à doubler d'efforts pour accomplir la mission qui leur a été confiée par les membres de la mission. Je sais que vous aurez en tiré la meilleure partie et faire une diffusion aussi large que possible dans vos circonscriptions respectives. Les chefs traditionnels ont présenté quelques doléances, notamment le manque de moyens matériels. La question sur les conflits éleveurs agriculteurs n'a pas été perdue de vue. En réponse, les membres du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles ont donné des orientations à ces derniers afin de leur permettre de mener à bien cette noble mission. Un exemplaire émanant la nouvelle charte des chefferies traditionnelles a été remis au premier magistrat de la province de Hadjer Lamis.
Restons toujours dans le même ordre d'idées. Une autre mission du Haut Conseil se trouve à Moussoro. Celle-ci, conduite par Abdourahmane Tchongoli, se trouve à Moussoro. Le même message a été livré au chef traditionnel, responsable des associations de la société civile. Ahmad Ali Daladou. Après le lac et le Kanem, la mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles se trouve à Moussoro, dans la province du Bahr el-Ghazal. Le mobile est de sensibiliser la population sur la paix et la cohabitation pacifique pour un Tchad sans conflit. Le secrétaire général de la province du Bahr el-Ghazal, Jean-Claude Degonal, après avoir salué la mission, a signifié l'importance du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Nous rêvons d'un Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles qui jouera un rôle prépondérant par ses médiations et ses avis dans la gestion et la résolution des conflits communautaires. Le conseiller Mohamed Nour Moustafchir s'est appesanti sur la genèse et les missions de ces nouveaux organes nés issus du Forum national inclusif. Le chef de mission, le haut conseiller Issa Abdourahmane Tchongoli, rappelle à l'assistance et plus précisément aux chefs traditionnels le rôle et l'attribution qui leur sont assignés dans la 4e République. Le rôle actuel du chef traditionnel à partir de la 4e République n'était pas seulement effectivement le rôle des gardiens des us et coutumes, des responsabilités du chef traditionnel afin que la paix et la cohésion sociale puissent franchement perdurer. Pour la bonne exécution de leurs activités, les garants des us et coutumes ont reçu chacun la charte d'éthique de la des chefferies traditionnelles. Restons toujours dans nos provinces. Le préfet du département de Borkou a été installé dans ses nouvelles fonctions. C'est le gouverneur de la dite province qui a officié la cérémonie. Hissen Aladou. C'est au terme du décret numéro 833/PR/MATSPGL/2019 du 10 juin 2019 que Mme Hadji Hawa Hassani est nommée préfet du département du Borkou et succède à ses postes Abakar Ali Douhoumane après 5 mois d'exercice. Le préfet sortant Abakar Ali Douhoumane a dans son allocution fait la situation géographique, administrative, économique et sécuritaire du département avant de souligner que la réussite de la mission de la nouvelle préfète dépend en grande partie du dynamisme, de la franche collaboration et surtout de l'esprit d'équipe dans l'intérêt général de toute la population du Borkou. Puis le gouverneur de la province du Borkou, Djidi Habré, a notifié au préfet sortant Abakar Ali Douhoumane qu'il était un homme d'action, professionnel dynamique et exemplaire durant les 5 mois passés à la tête du département du Borkou. À Hadji Hawa Hassani, la nouvelle préfète du département du Borkou, le gouverneur Djidi Habré indique qu'elle était une femme d'expérience en administration. Mais cette fois-ci, cette administration lui demande de faire régner l'autorité de l'État, observer la cohabitation pacifique, la bonne gouvernance, imposer les lois de la République et les appliquer à toutes les couches de la population sans aucune discrimination. Hadji Hawa Hassani, préfète entrante à quant à elle, remercie les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la République Idriss Déby Itno, pour la confiance placée en sa modeste personne. Et dans la province du Mayo-Kébé-Ouest, le préfet du département du Mayo-Dala a également été installé dans ses nouvelles fonctions à la faveur d'une cérémonie présidée par le gouverneur Parfait Ndong-Danson. Le passage de l'étendard, signe de transfert de pouvoir, s'en est suivi. Investi, le tout nouveau préfet mesure l'immensité de la tâche qui lui est assignée. Kélo Aïm invite ses collaborateurs et ses administrés à redoubler d'ardeur pour l'instauration d'une administration à visage humain. Nul n'est prophète ce soir, à ton coutume le dit. J'espère bien que ce ne sera pas le cas pour moi. Si nous marchons des mêmes pas, nous allons relever à coup sûr beaucoup de défis et conduire notre département et partant notre pays, le Tchad, que nous aimons, vers des horizons radieux. Les conflits intercommunautaires, fonciers et entre éleveurs agriculteurs, le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon sont entre autres les mots auxquels Kélo Aïm compte s'attaquer. Il remercie les autorités au plus haut niveau pour sa nomination à la tête du Mayo-Dala. Même son de cloche au département du Chari dans la province du Chari-Bagirmi. Le point avec Mohamed Suleiman.
Le préfet du département de Chari, Bahar Hassan Kero, a pris officiellement ses fonctions et remplace à ses postes Al-Khali Adoum Kori. La cérémonie de passation de service s'est déroulée en présence du secrétaire général de la province de Chari Bagrimi, Soumaïn Issaka. Le préfet sortant Al-Khali Adoum Kori a saisi l'occasion pour dresser son bilan durant les 4 ans d'exercice de ses fonctions. Officiant à la cérémonie, le secrétaire général de la province de Chari Bagrimi a insisté sur l'autorité de l'État. Vous êtes le représentant du chef de l'État et le dépositaire du pouvoir public dans votre circonscription administrative. Vous devrez instaurer, faire respecter l'autorité de l'État et faire respecter le principe de la hiérarchie dans l'administration. Le préfet entrant, quant à lui, sollicite la collaboration des uns et des autres pour mener à bien la mission qui lui a été assignée, tout en remerciant les plus hautes autorités du pays. J'attache tout prix au strict respect des lois et des règlements de notre cher et beau pays. Je demande à tout le monde de regarder dans la même direction pour travailler dans la cohésion totale. Soumaïn Issaka a exhorté aussi le nouveau préfet à suivre la politique du gouvernement, celle de promouvoir la paix, la cohabitation pacifique, l'unité nationale et le développement socio-économique du pays. À quelques jours du Forum national de développement de la province du Bata, le comité d'organisation s'active pour la réussite de l'événement. À ce sujet, le porte-parole des forces vives de la province du Bata, Mohamed Mahamadia, appelle à une forte mobilisation. Un extrait de ce propos. À propos de l'organisation de la tenue du Forum, prévu le 26 au 28 juin 2019 à Hâte, nous, forces vives de la province du Bata, nous appelons à tous nos invités de respecter cette date, car la date est prévue en accord commun avec le bailleur. Nous n'avons pas le choix de reporter cette date pour ne pas perdre nos intérêts d'intervention pour rehausser notre développement. Le cabinet White Cedar a initié une rencontre dénommée Afterwork pour une nouvelle dynamique aux établissements et aux sociétés. Une présentation a été faite par les experts pour expliquer davantage aux participants le dit concept. Idriss Mouridris. Afterwork, une stratégie nouvelle qui permet au personnel des sociétés et entreprises de réfléchir sur le monde qui mène leur environnement uniquement aux heures de pause. Une initiative lancée par le cabinet Wally Saïda, à laquelle les dirigeants de la société et entreprises ont pris part pour accroître leur efficacité et rendement et gérer minutieusement leur temps. Comment faire pour rendre une entreprise performante? C'est la question posée par l'assistance au cours d'une conférence débat. Le panel, composé d'experts, s'est prononcé sur cette préoccupation. Le promoteur, l'entrepreneur que vous êtes, que nous sommes, nous arriverons donc à accroître la production, à accroître la productivité de nos entreprises par le traitement rapide. Aujourd'hui, c'est une question de temps. C'est le temps qui est l'élément important lorsque nous parlons d'entreprise. Le cabinet Wally Saïda a une vision, celle d'aider les organisations à gérer mieux leur environnement. Notre objectif premier, c'est d'abord d'élargir notre réseau de partenaires, d'interagir avec nos invités, nos clients, nous faire connaître au grand public et aussi montrer nos capacités, tant au niveau des solutions informatiques, logiciels et consorts. Juste pour élargir notre réseau et plus montrer notre visibilité au niveau du grand public en fait. À la fin de la rencontre, un buffet est offert à l'assistance pour échanger sur l'initiative. Célébrée chaque 20 ans, juin à travers le monde, la fête de la musique édition 2019 n'est pas au rendez-vous comme les précédentes années. C'est ce qu'il nous dit Innocent Clayot dans ce reportage. Assis sur des chaises du jardin de l'Institut français, les musiciens du groupe Poule Collectif s'apprêtent à faire découvrir au public leurs instruments. Une guitare acoustique et deux instruments de type traditionnel. Pour ces musiciens de Poule Collectif,
C'est une grande fierté de venir jouer le jour de la fête de la musique à l'Institut français. C'est une journée particulière pour les musiciens parce qu'il n'y a pas deux fêtes de la musique dans l'année. C'est une seule fête. Donc, nous qui aimons la musique, nous qui faisons la musique, c'est en quelque sorte notre journée. Cette année, et cette fête a été jumelée avec la fête des réfugiés. Et ça, c'est énorme, c'est chaud, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Avec son grand plateau et ses matériels, l'IFT a mobilisé du public, mais aussi des musiciens nationaux et internationaux. Tandis que dans les autres sites, c'est la désolation. La fête de la musique dans les normes, dans un très grand pays comme le Tchad, doit être un très très grand événement où dans tous les carrefours, doit avoir de la musique partout, partout dans les rues, partout. Mais là, je suis vraiment désolé parce que je ne sais pas pourquoi cela se passe comme ça dans ce pays. Musicien de hip-hop, Sultan se console avec une chanson, tandis que son ami Imam Ti invite les musiciens tchadiens à plus de courage. On est content parce que c'est notre fête, c'est la joie, c'est l'esprit et tout ça. Donc c'est une fois par année et nous on a l'obligation de célébrer cette fête. On est très content, c'est la joie. Voilà, pour tous les Tchadiens, pour tous les musiciens du monde entier. Contrairement aux années précédentes, la fête de la musique de cette année n'a pas mobilisé autant d'amateurs et de professionnels de musique. En sport, la dernière journée de la poule B du play-off de la Ligue nationale de football s'est jouée au stade Addis Mamadouya. Le match a mis aux prises Gazelle FC à Ascoton Tchad sur le score de 3-2 en faveur de Ascot. Quatre nouveautés au fil. C'est un match à rebondissement que se sont livrés les deux meilleures équipes de cette poule B, Gazelle Football Club et Association sportive Coton Tchad, Société Nouvelle. Ce sont les blancs et noirs qui démarrent la rencontre tambour battant. Face aux cotonculteurs, les joueurs de Gazelle font une occupation rationnelle de l'heure de jeu et dominent leurs adversaires. Les sociétaires de la Coton Tchad vont céder respectivement à la 10e minute de jeu sur une balle d'Abdelaziz reprise en pleine surface de réparation par Abou Frédéric. Le capitaine de Gazelle, à l'aise techniquement, abat un bon travail sur le côté gauche qu'il va personnellement conclure à 5 minutes de la mi-temps. Il permet ainsi à son club de mener à la pause sur le score de 2-0. Au retour des vestiaires, le coach de Ascoton Tchad, Mamad Boli, fait quelques réglages dans l'entrejeu en injectant du sang neuf. Les verts et blancs retrouvent leur rythme et passent à la vitesse supérieure. Le match change de physionomie. Les cotonculteurs sont sur toutes les balles. Ils font jaser la défense de Gazelle qui va encaisser 3 buts malgré les sorties et parades décisives du portier Mbaye Ramadi Dila. Maïtongue Constant réduit la marque à la 83e minute. Abou Ada égalise à 1 minute de la fin du temps réglementaire, marquant le 3e but dans le temps additionnel. Ascoton Tchad 3, Gazelle Football Club 2. Avec cette victoire, Ascoton Tchad prend la tête de la poule B et se qualifie pour la finale qui l'opposera le mardi 25 juin prochain face à tout puissant Elec Sport, leader de la poule A. Qu'en Égypte 2019, le match de la poule B et le dernier de la poule A se sont joués hier au Caire et en Alexandrie. L'Ouganda a surpris la RDC et le Nigeria a battu le Burundi. Le Madagascar a tenu en échec la Guinée-Conakry. La synthèse de tous ces matchs avec Kato Botiofil. Considérée comme l'édition qui sera la moins relevée à cause du nombre de participants et surtout la présence des pays qualifiés de petites nations de football par certains critiques du football africain, la CAN 2019, qui se joue dans sa deuxième journée, commence à montrer un autre visage. Malheureux finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations de 1978 face aux Black Stars du Ghana, les CRAN de l'Ouganda, qui sont à leur 6e participation, créent la première surprise face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Régulièrement cités parmi les outsiders des 3 dernières éditions de la CAN, les Léopards vont faire les frais de ces mauvaises analyses. Les Poulains de Florent Ibengué, classés 5e nation du football africain, qui entament bien la partie, vont malheureusement encaisser 2 buts sans en marquer. Une défaite qui classe la RDC 4e et les CRAN de l'Ouganda 1er devant l'Égypte.
Le Sili évite de très peu cette situation face aux barrières renforcées par ses binationaux. Il a fallu un pénalty suite à un acte d'anti-jeu de Matenir dans la surface de réparation transformée par le bordelais Kamano. Ce match aussi prolifique et engagé restera dans les annales de la CAN. Donné largement favori, les Super Eagles du Nigeria ont eu affaire à une équipe athlétique et physiquement bien en point. Il a fallu miser sur l'expérience de ces professionnels face à un bloc bien soudé sur tous les plans. C'est à la 77e minute qu'Igalo, entré en deuxième mi-temps, va sauver les siens en marquant le seul but de la partie. Un score étriqué, mais très important, qui permet de faire respecter la hiérarchie dans ce groupe. Et vous aurez la synthèse de match de poule C et D dans nos éditions de demain. Et puis la commission permanente chargée de l'organisation de HAJ 2019, un candidat au pèlerinage, qui est la séance préparatoire de rite du HAJ, commencera le lundi 24 juin à 15h à la Grande Mosquée Roi Faisal. Et sur ce, c'est réforme à cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.